Dans nos blessures, en fait, parfois, donc quand on vient en incarnation, on a un visuel de toute notre arbre transgénérationnel. Et pour certaines lignées, en fait, il y a des blessures qui se sont cristallisées de génération en génération. Donc moi, sur la blessure d'abandon, je remonte sur mon arrière-grand-mère. Il y avait déjà cette problématique-là. À ma grand-mère aussi, ma mère, moi. Donc, on est sur une blessure transgénérationnelle. Et à un moment donné, il y a une entité qui se dit, bon, bah, allez, je vais y aller, je vais prendre ça en charge parce que, on va pas pouvoir devenir libre, on va pas pouvoir devenir les êtres magnétiques qu'on est en incarnation. Donc, je vais prendre ça en charge. Et donc, une entité va se charger d'une problématique transgénérationnelle. Et donc, oui. Et mais généralement, on vient outiller, c'est-à-dire qu'on a un quota d'énergie, et toute l'aide, en plus, tout le soutien énergétique de notre lignée pour aller transcender cette blessure-là.